Ah bah oui, tout de suite, c'est mieux. Ah. Mais on voit qu'une tour. Elle est où la deuxième? Mais juste par là. Mais c'est toi qu'on voit plus, la grande. Alors, bonjour. Et bonne année, tout le monde. Alors, mais non, mais on voit pas ma tête. Alors, bonjour. Je sais plus comment on fait. Comment on fait? Je suis en train de m'embrocher de derrière là-dessus. qu'est-ce qu'on dit? Allez, bonjour tout le monde. On est très heureuse de vous retrouver pour ce troisième voyage avec Jules et Popo. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Jules. Bon, bienvenue à bord de Jules. Et voilà. Et nous sommes garés à un endroit où on n'a absolument pas le droit de se garer. Mais on voulait filmer le début du podcast avec la vue sur... une des tours, alors une des tours. L'autre est cachée derrière l'autre moi. L'autre est cachée derrière, voilà. Attendez, les je vais tours, me pousser un peu. Les tours qui... Non, on la voit pas. Je vais bouger un tout petit peu, peut-être. Voilà, cachée, voilà, la voici, la deuxième. Ah, ben voilà. Je suis un peu plaquée avec au mur. Avec la vue sur les tours de La Rochelle. Donc, celle que vous voyez très bien, là, c'est la tour Saint-Nicolas. En face, celle qui est derrière le dos de Vinciane, c'est la tour de la Chaîne. La Chaîne, ouais. Et ce sont les deux tours emblèmes de La Rochelle qui ferment le vieux port. Et donc là, nous sommes garés juste devant notre médiathèque et sur une esplanade qui est entre l'allée piétonne et l'allée cycliste. Je regardais, il y avait un monsieur qui arrivait avec un air très décidé. Voilà, l'air crispé, bon, c'est juste... Il y a mon chéri qui fait le guet dehors en voyant s'il n'y a pas une voiture bleue avec un gyrophare qui viendra nous dire « circuler, monsieur, dame ». Et voilà, donc on ne va pas rester là, on va juste vous dire deux, trois choses. Et oui, puis parce que j'avoue que je ne suis pas très détendue. Là, je regarde dehors. C'est mal ce que l'on fait, c'est mal. Mais on gêne personne, en fait. Non, en fait, il n'y a que moi que ça gêne, je crois. On gêne personne. Et puis, Frédéric qui fait une guet. Oui, oui, oui. Hein, donc, il est là. Il nous protège. Voilà. Nous sommes protégés. Alors, on vous souhaite une bonne année. Une bonne année. Une année chaleureuse comme la laine. Moelleuse comme la laine. Moelleuse comme... Bienveillante comme la communauté tricotesque. Et puis, on vous la souhaite heureuse. Légère. Créative. Qu'elle vous préserve et puis qu'elle vous garde en bonne santé. Parce qu'on dit toujours ça, mais c'est vrai que quand on est en bonne santé, les choses vont beaucoup mieux. Tout est permis. Et puis, que vous soyez entourée de bienveillance, de tolérance, d'écoute, d'amour, d'amitié, de tricot, de tricopine. Voilà, donc on va faire une petite coupure, oui. On va aller se garer à un endroit autorisé et on vous retrouve tout de suite. Est-ce que ça tourne? Oui, je vois le compteur qui défile. Alors, nous revoilà, on s'est garé au port des Minimes. Qui est le port de plaisance de La Rochelle. Donc, vous voyez derrière nous quelques mâts. Et cette fois, on est sur un parking autorisé. Par contre, qui dit parking, dit voiture. Et vous allez entendre de temps en temps des bruits de moteur. Mais je me sens un peu plus détendue tout à l'heure. J'étais complètement je vous vois mieux. Tout d'un coup, je vous vois mieux. Avec les lunettes, ça marche mieux. C'est mieux. Voilà. Alors, bon, on attaque tout de suite. Eh bien, allons-y. Je pense que tu peux commencer. Alors, non, mais on va montrer la tienne aussi. Comme il fait bien froid, parce que Jules, évidemment, n'a pas de chauffage. Oui, puis le toit Et on a ouvert. On a monté le toit pour avoir de la lumière, donc aussi c'est ouvert. Donc, vous voyez ce qu'on fait pour vous quand même, hein. Vous imaginez bien. Quel sacrifice. Quand tu sais à quel point je suis frileuse, franchement. Donc, Vinciane a sur les genoux. Vas-y, je te laisse présenter. Avant de partir, je savais que j'aurais froid. Donc, avant de partir, attends, je vais pousser ça là. Je suis allée me servir sur le lit d'un de mes fils une couverture qu'il... Alors, elle a quelques années. Hein. Une couverture qu'il m'avait commandée. Couverture au crochet, forcément, puisque j'adore les couvertures au crochet. Très colorée. C'était son choix. C'était ce qu'il voulait. Un rang de blanc et un rang de couleur qui flash à chaque fois. Alterné. Donc, voilà. Elle fait...
pas, par rapport 1m20 par 1m20. Ouais, 1m50. Je pense qu'elle doit faire 1m50. Oui, un bon 1m50. Je ne l'ai pas mesuré. Enfin, je suis si, à l'époque, j'avais dû la mesurer. Le lit là fait 115. Ah, ah, ça va être on facile. Va tester tout de suite. Le lit fait 115, vous avez bien entendu, messieurs, dames. Ah, ah alors, t'es à 110. Ouais, à peu près. À 110. Et on dort très bien à deux dans un lit de 115. Et voilà, voilà. Donc Vinciane, et voilà. Et moi, sur mes genoux, j'ai ma Memory Blanquette, qui m'a donc, vous avez vu sur Instagram toute l'année, cette petite chose. Donc là, c'est super. Elle est chaude, chaude, chaude. Je l'ai plie. Moi, la mienne est très grande. Elle fait 1m60 par 2m20. La bordure, on va pouvoir s'envelopper. Voilà. Et donc, je l'ai pliée en quatre, là, et je l'ai sur mes genoux. Et je suis bien. Voilà. Donc, ce ne sont que des restes de Mérino. Et j'ai réussi à utiliser tous mes restes que j'avais accumulés. Il m'en a même manqué pour pouvoir faire des mélanges à la fin. Ça, c'était un petit peu trop uniforme. Et j'ai Sabrina, Choupette Sabrina, coucou. Qui est toujours quelqu'un d'une générosité mais incroyable, qui m'a envoyé des restes à elle qui m'ont permis de compléter plus harmonieusement pour finir cette couverture. Donc cette année, puisqu'on en est à parler des blanquettes, eh ben oui. J'en profite pour remercier vraiment, 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 vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont envoyé de la laine en catégorie Dike, pour faire la couverture de June, qui sera comme celle de Vinciane, là, un granit. Mais ça sera plusieurs petits granits. Mmh. Et qui ne sera constitué que de laine que vous m'avez offerte à l'occasion des Vœux Laineux 2018. Donc je suis vraiment ravie. C'est une couverture de l'amitié. Et Vinciane a participé aussi, m'a donné de la très très jolie laine, bien flashy, tout ce que j'aime. Bah, dans les couleurs de June. Et donc ça sera exactement dans. Tout ce que vous m'avez envoyé est exactement dans les couleurs de Jules. Donc du bleu, du orange, du, ouais, du vert. Orange, voilà, du rose, du violet, du des couleurs, des belles couleurs franches et gaies. C'est ça. Donc je l'ai pas du tout commencé, ça sera une blanquette qui va durer toute l'année pour le la deuxième année de voilà, du cal de la blanquette. Voilà, puisque Mélise relance l'année de la blanquette mais en 2019. Et pour savoir un petit peu ce que j'avais, mon chéri s'est amusé, il a pris les pelotes qui avaient des étiquettes, les pelotes sans étiquette, il a fait une moyenne, il a tout pesé, et je vous annonce que j'ai 10 km de laine à crocheter en 2019. Et bien pour les nathlons l'année prochaine, si Mélise encore elle le renouvelle l'année prochaine. Voilà. Et c'est ça. Donc, tu peux t'inscrire dans les 10 km. Avec celle-ci, cette année, j'ai eu 6 km et des brouettes de laine. Là, c'était facile, c'était que du figuring 400 mètres pour 100 grammes. Donc, une fois que je l'ai eu pesé, j'ai eu le. Donc, comme quoi 6 km là. J'ai 6 km là. Ah, c'est impressionnant. Ben oui, remarque un pull. Ouais, et puis c'est du. Mètres, il ou en fera mètres, plus ouais. Au crochet, ça demande plus. Mmh. Donc, oui. Je pense que je vais acheter de la laine quand même pour la salle au crochet. J'achèterai la laine qui fera le tour de chaque carré uniforme et ça sera du violet puisque. Les côtés là, vous ne voyez pas, mais enfin, si vous voyez peut-être un peu, les placards de Jules sont violets. Voilà, donc mon premier projet fini, c'était ça. Donc tu l'as inscrit dans le cal de la blanquette 2018. 2018, celui-ci. Et puis dans le Lainathlon, puisque je l'ai. Et oui, tu l'as fini. Puisque Mélise m'avait dit, le finis pas. Si tu ne l'as pas fini pour l'année de la blanquette, enfin, avant, ben, tu pourras le rentrer dans le Lainathlon, puisque les projets commençaient comptent. Donc il était commencé, il lui manquait sa bordure. Que j'ai faite tout le long du mois de décembre. Et voilà. Bah, tu peux l'inscrire dans les deux, du coup. Bah, oui, c'est ce que j'ai fait. Pardon. C'est ce que j'ai fait. Ça y est. Le froid m'engourdit un petit peu, peut-être. Ça doit être oui, ça. Moi, je garde mes mitaines. Hein. Vinciane n'en a pas. Mais non, je n'en ai pas. Elle commence à devenir toute bleue au bout des doigts. Non, mais pas encore, mais ça ne va pas tarder. Quand je vais sentir qu'il sera temps d'aller aux urgences, on coupera. Souhaite de bonne, merci. On continue dans les projets finis. Ouais, attends. Alors je vois que t'en as énormément, mais alors à moi. Ah voilà, par contre, je les ai cachés, mais où ? Normalement, je les ai mis tout près. Eh bien, je les ai cachés derrière toi, dis donc. Les voilà. On va commencer par ça, comme il fait bien. Ah bah tu pourrais les enfiler en mitaine. Surtout que celles-ci, au départ, elles étaient pour moi. Ah non, mais c'est très mal organisé. Je suis très mal organisée. Regarde. Avec un cintre. Je pense qu'on pourrait faire une nouvelle rubrique. Ouais. Les bricolages de Jules et Popo ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Les bloqueurs à chaussettes.
qui pour moi ne me servent pas en fait, puisque de toute façon je ne bloque pas mes chaussettes. C'est pour les chaussettes. Montrer. Voilà. Pour c'est pour les montrer. Faire cuire. Je vous assure. On a vraiment le cerveau gelé là. Je ne fais pas cuire mes chaussettes. Je vous assure que je ne fais pas cuire. Pour les faire sécher, je les bloque pas. En plus, c'est de la côte, donc ça resserre beaucoup. Mais bon, quand même, je vais les mettre dessus. Celle-là, donc, c'est laquelle? C'est la Goumi. Un cintre en plastique, un mari. Une il n'est pas en plastique, il est en fer. C'est en plastique, il serait cassé. Oui, non, mais avec le recouvert du plastique, pardon. Non, même s'il était en fer, comme ceux des pressings, ça irait aussi. Ouais, mais ils sont assez fins. Ouais. Et pour le talon, ça ressort. Donc, une idée, bien, voilà, une idée, un mari, ou quelqu'un autour de vous qui bricole bien, ou vos propres mains, mais moi je préfère déléguer dans ces cas-là, un cintre. Et, voilà. Et comment donc, tu fais la taille? Ça, c'est pour la pointure Pour la mienne, pour 39. D'accord. Mais donc, ça va être un petit peu grand là, parce que, ou le cintre va être un peu petit, le bloqueur va être un peu petit, parce que les chaussettes sont en 42 pour mon grand, pour mon fils. Trop belle, hein? Donc voilà, ça c'est celle que tu avais montrée dans le dernier podcast qui était juste commencée. Ouais, qui était juste commencée, c'est ça. Ça va? C'est rien, c'est ma tête. On s'assomme, c'est le thème peut-être aujourd'hui. Donc voilà, c'est de la Bergère de France Goumi 50. Il y avait tellement longtemps que je n'avais pas fait de chaussettes, alors que j'ai quand même commencé à tricoter pour des chaussettes, que j'étais incapable de recommencer des chaussettes, je ne savais plus comment faire. Et puis au cochon les nœuds. Du cochon laineux au mois de novembre à Sainte-Gabelle, organisée donc par Mélise la boutiqueuse et Anne les pastels de Sophie. J'ai tricoté en papotant, et puis je me suis retrouvée avec une chaussette pour Berthe au grand pied. Donc moi je ne fais pas le talon après coup, hein. C'est un talon renforcé que je fais en même temps. J'ai défait, et puis ne sachant pas quelle taille il allait réellement me falloir, j'en ai commencé une seconde que j'ai tricotée, et j'ai encore fait trop grande, donc j'ai réduit un petit peu, mais finalement c'est du 42 et non pas du 39 comme c'était prévu. Et voilà, donc chaussettes basiques, talons renforcés. J'ai simplement fait des côtes sur la ouais, tige, c'est joli comme tout. pour que ça resserre. Parce que mon fils est fait à peu près sur mon modèle, on a sensiblement le même gabarit. Donc nous n'avons pas des mammouths. Des mammouths, mais ça tu penses au string de Geneviève. Coucou Geneviève. Oh là 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 là. On a une copine qui tricote des strings pour mammouths. On vous en dit pas plus. Je voulais dire des mollets de mammouth. Je sais pas si le mammouth a le mollet bien dessiné, j'en sais rien. Mais bref, oh là là, je suis vraiment désolée. On fera pas de coupure parce que franchement, on va le laisser comme ça, c'est trop. Voilà. Voilà ce qui se passe quand deux podcasteuses se les gèlent dans un camion. D'ailleurs, je commence à tousser, toi, c'est affreux. Et il y en a bien deux, hein. Ah, voilà. Moi, écoute, tu devrais vraiment... Il y en a bien deux. Tu fais comme Mélise. Comme Mélise. Comme Mélise. En plus, ça tient chaud, il y a de la laine. C'est de la laine, d'ailleurs. La laine, 75% de laine et 25% de nylon. Donc, à toi. Je vais mettre l'autre, tu as raison. Hein? Ben oui, ça. Alors ben moi, on va continuer sur les chaussettes, mais j'en ai perdu une paire dans l'aventure là. Ah bon? Ah ben oui, je pourrais. Tu les as au pied? Ben non, elle a roulé. Mais je sais pas où. Non mais il en manque une. Alors, c'était les plus jolies. Où est-ce qu'elles sont passées? Moi, j'en sais rien. Bon, je vous en montrerai qu'une. Ça ira plus vite. Promis, il y en a deux. Alors moi, j'étais main de plus. Ah, elle est là. J'ai trouvé. Je ne peux pas aider. Alors, moi, j'ai deux paires de chaussettes à vous montrer. Alors, la première, c'est... Je n'ai pas emmené de bloqueur. Tiens, tu veux c'est pour du 39. Mais ça, c'est pas tout à fait... Non, 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 d'accord. Alors, c'est le modèle Passionnément des Minutes qui est sur le Socks Design Party volume 2 qui est vendu au profit de l'Écheveau Solidaire. Donc, j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Et elles sont super jolies. Elles sont dans une laine absolument géniale. C'est la que j'ai achetée lors de l'ouverture de la boutique en ligne de Alice, sous le pseudo À Pleine Main. Donc, c'est de la laine BFL et nylon, teinte à la main, avec des pigments naturels. Je crois que là, c'est du bois de chêne, si je me souviens bien, mais... J'en suis pas sûre. Donc, il y a un très joli motif.
C'est pas franchement une torsade. Non, c'est un genre de point de... Excusez-moi. C'est un genre de point pissenlit, mais plus simple que le point pissenlit. Mais ça fait des petits cœurs. Ça s'appelle le point cœur. Et c'est vrai, ça fait des petits cœurs. Et j'ai réutilisé ce point sur une autre paire de chaussettes. Un fil, là. C'est un... Je suis vraiment désolée de tousser comme ça. Donc voilà, donc ça c'est mes premières chaussettes terminées. Donc c'est très très chaud comme laine. Et à la fois léger, c'est très très agréable à porter. Je suis vraiment conquise par le BFL en chaussettes. Et d'une, et la deuxième, c'est de, ce sont mes chaussettes de Noël. Alors c'est la laine, c'est la Work West Yorkshire Spinner, WIS, qui est de la laine anglaise, qui est 75% laine, 25% nylon, et dans les 75% de laine, il y a 30% de BFL aussi. Et très agréable. Alors ça, c'est la série spéciale Noël, qui était vendue sur le site de Laine des Îles, et que j'avais commandé à ce moment-là. Donc il y avait une pelote de laine contrastante. Ça, c'est de l'autorayant, donc il n'y a rien à faire. Il y avait un patron qui donnait exactement ça, mais comme je connaissais les Hermione qui, je savais, donnaient exactement ça, je ne me suis même pas amusée à lire le patron, j'ai fait mes Hermione habituelles, et voilà. Et alors, une très bonne nouvelle, c'est que l'autre jour, je les ai lavées. Alors, je lave toutes mes chaussettes. En principe, je fais une lessive avec toutes mes chaussettes, sauf une, celle que j'ai au pied, et avec les slips, les culottes, les soutiens-gorge, tout ce qui est en délicat. Ouais. Et je le lave à 30 degrés, linge délicat. C'est même pas un programme laine. Et ça passe très très bien. Donc, je lave les chaussettes, je vais les étendre à plat sur le tankerville. Enfin, pas à plat, hein, je les mets à cheval, elles sont bien essorées. Et je me rends compte que je n'en ai qu'une. Et je me suis dit que l'autre était restée dans le panier à linge. Et je dis, bon, c'est pas grave, elle partira dans la prochaine lessive. Et le lendemain, j'ai fait une lessive de serviettes de toilette à 60 degrés. Et quand je l'ai sortie, j'ai vu coller au fond du tambour ma deuxième petite chaussette qui avait dû rester dedans. Et là, mon cœur n'a fait qu'un tour, mon sang plutôt, et je l'ai attrapée. Et elle n'avait pas bougé. Ouais, et là, je suis... Et Vinciane touche. Je suis incapable de vous dire laquelle est passée à 60. Elle n'a pas bougé. Ça se voit, c'est absolument. C'est pas feutré, c'est toujours aussi. Il n'y a pas de différence. Ouais. Alors, je ne vais pas réessayer quand même. Hein. Peut-être qu'au deuxième coup. Puis la taille et la dimension. Il n'y a pas de différence. Non. C'est incroyable. Donc, je suis. Je me demandais quelquefois pour faire des pulls à mes petites filles qui ont des accidents de lessive. Comme c'est de la laine très fine, je pense que je vais l'utiliser, tricoter en double pour faire des pulls à mes petites filles. Donc, voilà, c'est un bon plan. Et en plus, voilà, elles sont super agréables à porter. Donc, voilà pour deux projets terminés. Alors, tu sais que depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher mes projets terminés. Bah, par porte. Ben voilà. En fait, les portes. Ils sont là. Bon, alors, je vais enlever encore les chaussettes. je vais mettre les miennes au bout des doigts parce que je vous assure qu'il fait vraiment très froid. Pardon. Par contre, le pull est noir et je vous assure que là, je ne vais pas l'enlever pour me mettre en t-shirt pour vous montrer. Mais si, attends, on va avancer, on va faire un gros plan. Non, non. Ouais. Si, gros plan sur le pull. Je ne sais pas si on voit là. Attends, si, tiens. Là, j'ai cru. Attends. Bon, mais il va falloir nous croire sur parole. Hein. Si, là, voilà. Une torsade. En fait, il y a une torsade qui part du col jusqu'en bas. Enfin, plusieurs torsades, on va dire une bande de torsades qui part jusqu'en bas. Enfin, je vous en avais déjà parlé. Le pull over top down, tout simplement. Tiré du livre des torsades de Nora Gogan, le guide des torsades de Nora Gogan, que j'ai fait en laine tweedée plassard. Elle s'appelle tweedée, laine plassard tweedée, anthracite, noir, je crois qu'on peut dire noir. Et que j'avais commencé en fin d'hiver 2018, que j'ai complètement abandonné pendant l'été, parce que j'étais absolument persuadée, parce que j'avais quand même dû bidouiller, pour un premier c'était pas l'idéal, j'avais dû bidouiller le modèle parce que... L'échantillon était pas bon, d'autant que la laine n'était pas du tout la bonne, normalement elle se tricotait en 5 ou 5,5 je crois, et moi j'ai tricoté en 4. Donc pour un premier c'était pas franchement l'idéal, donc j'ai jonglé un peu, pris au moins de taille plus grande que ce que j'aurais dû prendre normalement. Super bien.
Et j'étais tellement persuadée qu'il allait pas m'aller que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le reprendre à l'automne. Donc je l'ai repris, je l'ai fini et c'était une excellente idée parce qu'il me va bien et que j'ai un pull bien chaud et j'avais pas de pull bien chaud, de gros pull. Donc j'avoue qu'en ce moment je le mets quasiment non-stop parce que déjà je suis terriblement fière d'avoir réussi à faire mon premier pull. C'est mon premier pull et il est confortable, il est très agréable à porter. Franchement j'en suis absolument ravie. Il est beau, hein. Ouais, oui, il me convient. C'est chouette les petits spikels blancs là, de... comme c'est du tweedé. Ouais, c'est l'aspect tweedé. Ouais, ouais. C'est très joli. Ouais, ça rend vachement bien avec ce style, de pull. Il est souple. J'avais peur que ce soit un peu raide et franchement. Mais tu l'as lavé, bloqué. Je l'ai lavé. Ouais. Ça a dû s'assoupir énormément au lavage, comme beaucoup. Bloqué, enfin étendu à plat, hein, en fait, étendu à plat et puis. Voilà. Okay. Donc je recommande vivement ce modèle qui est très agréable à faire. Si ce n'est les torsades qui sont là, qui sont vraiment simples à faire. Je le ferai au mieux, c'est tous les 4 ans. C'est vraiment. Je le ferai peut-être parce que j'ai de la laine que j'avais achetée en Irlande, qui est de la grosse laine écrue. Et je pense que ça serait joli aussi en blanc. J'avais peur que le panneau torsade sur le fond noir ne se voit pas. On le voit. Alors, bon, à l'écran, là, forcément. Pas, mais... en fait, il descend bien. Là, on le voit bien. Je te coupe la tête, excuse-moi. C'est pas grave. C'était le pull là qui était. Voilà. Pardon. Donc il est, c'est une réussite. Je suis très, en toute humilité. Je n'y vois aucune prétention quand je dis que c'est une réussite. C'est une réussite personnelle. C'est une réussite. C'est une fierté personnelle. Super joli. Il est super joli. Et il est très agréable à porter. Vraiment, il est, c'est un chouette modèle. Expliquer, c'est fluide. Ouais. C'est fluide même pour la débutante anglais. Que j'ai. Non, en français. Le livre est traduit. Oh, je crois que je l'ai en anglais, moi, le livre. Le livre a été traduit en français. Je ne sais pas si j'ai la version française. Je crois que si. Si tu l'as lu après que je l'ai. Qu'il m'ait été offert. Moi, il m'avait été offert à Noël 2017, donc. Mmh. Et il venait juste d'être traduit en français. Donc, enfin, voilà. Les mains dans les chaussettes. Alors. Donc, voilà pour le premier. Super. Premier pull, j'en suis ravie. On va et tu m'as bien boosté. On va finir avec les mouchoirs. Ouais, ouais. Tu m'as bien encouragée. Et la boîte de mouchoirs, elle est là-bas. Je pense que je vais l'attraper parce qu'avant peu, on va en avoir. Attends, je sauve les meubles. Ouais. J'espère qu'elle n'est pas vide. Ah ah. Il en reste. Moi, j'en ai un dans ma poche. Il en reste un, il y en a peut-être d'autres là. Oh non, il n'y en a plus. Hein. Tiens, je te retourne. T'en as un, toi gobelet. On va... oui, ah oui, j'en ai un. Non, je vais le remettre dans notre placard. Excusez-nous. Excusez-nous. Jules est quand même un tout petit gabarit. Hop. Autre projet fini, moi, c'est ce châle qui est le châle Les yeux dans le vague de Laurence Meria, que vous connaissez sous le nom de Froufrou et Capucine hein, sur les réseaux sociaux, qui a créé ce châle pour être tricoté avec sa laine. Oh, je suis désolée pour mes cheveux. Hein. Je laisse pousser ma frange, ça donne un peu n'importe quoi, mais ça tombe dans tous les sens. Donc ce châle est en fait très surprenant parce que ça se tricote avec un mélange de deux laines, sa base pimprelaine qui est un fingering et une laine mohair qui est la base cosmos. Et il n'y a pas de nom de couleur, hein, donc je ne vous le dirai pas. Je l'avais acheté sur le fil de la manche, je l'avais vu accrocher ce châle et j'avais complètement craqué. Et je l'ai tricoté en 24 heures, c'est-à-dire que j'ai monté les mailles un soir, ça se tricote en 5,5. C'est turbobinette en fait. mais c'est tout petit, regarde, voilà. Il est pas large. Et d'ailleurs quand je l'ai fini je me suis dit oh là là il est étroit, ça va être un trop petit châle. Et en fait non, c'est tellement moelleux, tellement dufteux que on fait 3 tours autour du cou et la grandeur suffit. Et ouais, c'est agréable. Et alors le point est très très simple à retenir, donc je l'ai tricoté en 24 heures. Pourquoi? J'ai monté les mailles un soir, j'ai fait le début là. Comme ça, j'ai dû faire le premier soir, j'ai dû faire ces deux premières répétitions, ce petit bout-là et puis celui-là. Et ensuite, c'est une dentelle hyper facile. Et le lendemain, on avait de la route à faire et on a fait 10 heures de route. Donc, voilà, 10 heures de route en 5,5. Non, mais c'est, oui, c'est deux échevaux tricotés ensemble. C'est quand même. C'est pas. Voilà. Et donc, j'en suis ravie. J'ai été un peu déçue quand je l'ai découvert fini. Je dis, voilà, mais de toute façon, j'ai plus de laine, je suis au bout. Il va être trop petit, je ne vais pas aimer, j'aime que les grands châles. Et en fait, en ce moment, qu'il fait froid, je ne porte que celui-là parce qu'il est excessivement douillé, très agréable. Bon, je suis fan de la couleur, qui est une couleur saumon
avec des petits reflets, on les voit un petit peu là, orange, très légèrement orangé, Oui, là, il y en là, a on là. voit, oui. Et ça fait des couleurs par moments un peu plus claires. Et vraiment, je suis complètement fan de. Oh, Pierre, moi je suis verte là, avec la lumière. Je suis complètement fan de la couleur et du châle. Donc, c'est le modèle Les yeux dans le vague de Laurence Meria alias Foufreux Capucine dans sa laine Graine de laine. Et je le remets tout de suite avant d'être transformé en esquimau. Parce qu'il est légèrement Il est en demi-lune, en ouais. demi-lune, Ouais. merci. Mais je vais le En demi-lune, donc je du coup il vais. s'enveloppe, il s'enroule bien autour du Ouais, cou, je vais le il refaire. protège Je vais le bien. refaire pour l'offrir, c'est certain. Sûrement pour à Noël l'année prochaine, parce que bon, j'aurai bien 24 heures de temps en temps pour tricoter Et voilà, et vous voyez qu'une fois embobiné autour de mon cou, eh ben, il n'est pas du tout petit et misérable. Il est vraiment très. Voilà, il enveloppe bien, il couvre bien, bien chaud, bien douillet. Et tout va bien. Fait bien Ouais, son il fait bien office. son boulot. Ouais. Alors, je relève mes chaussettes. Et moi, je voulais montrer. Alors, ça, je l'ai terminé il y a quelques mois déjà, mais je ne l'avais pas porté jusqu'à présent, parce que je n'avais pas eu l'occasion. Et voilà, je vais le montrer dans le bon sens. Alors, c'est un modèle. Est-ce qu'on va le voir? Il est Oui, comme magnifique. ça, Ah, et on la voit. couleur est Ouais, enfin c'est ça. Puis là, super. dans le jour derrière, on voit bien le dessin de la dentelle. Ouais. Il est Voilà. super assorti à Jules, hein. Je sais pas si tu as regardé, mais Ah alors, oui, exact, oh là là, exact. il Oui. va, regardez la Oui, couleur là-haut, tout à là. fait. Vous apercevez où est-ce que c'est là, ce petit bout de Oui, couleur. exact. Ne laisse pas traîner, hein, parce que je te dirais pas qu'il était dans Jules. Non, 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 mais je suis prêteuse, hein. Donc, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry qui s'appelle. Alors, je vais vous le dire avec l'accent français parce que c'est en finnois et je ne le Tu parles pas le parle finnois pas. couramment? Non. Donc en français, je ne vais pas faire semblant de savoir comment on prononce. Nurmilintu, donc, de Heidi Allender. Super. Ah ben C'est un elle est modèle belle. qui est gratuit sur Ravelry. Et je voulais absolument utiliser donc ce. Voilà. Cet écheveau de Il y a un peu laine de que j'ai teinté. stellina dedans. Ouais, il y a de la stellina dorée. De laine que j'ai teintée avec Cindy lors de mon chip shop, voilà, lors d'un stage de teinture, une initiation sur une journée qu'elle avait organisée il y a. C'était en septembre 2017. Depuis le temps, je ne l'avais toujours pas utilisée. Parce qu'un écheveau pour faire un cheval. Un Un cheval! Enfin, Décidément! quand un écheveau pour faire un châle. Mais ça a du sens comme lapsus, écheveau, chevaux, Oui, c'est. cheval. Bon, un écheveau unique pour faire un châle, pardon, c'est pas suffisant, hein, ça c'est pas une grosse découverte. Je crois que je vais mettre mon bonnet, Tu veux mettre ton vraiment. bonnet? Ben mets ton J'ai bonnet, vraiment écoute. très froid. Et j'ai trouvé cette laine qui est Graziana de Adriafil. Qui je trouvais le coloris se mariait bien avec. J'ai une pompon qui se bloque dans le. Se mariait bien avec mon écheveau. Donc voilà. Avec tes chevaux. T'avais des chevaux couleur pourpre. Ah oui, l'équitation, c'est mon truc, il n'y a pas à dire. Voilà. Voilà, Il donc est c'est un beau, hein. modèle. Non, mais c'est vrai que les deux laines. Tu Hop! sais, je me rappelle, t'étais pas tout à fait convaincue par la Non. deuxième laine. Non, j'étais pas Et sûre, alors hein, que que ça, ça. au contraire, ça met en valeur celle-ci qui a de la stellina. Ouais. Le contraste est vraiment très Parce qu'en beau. fait, sur le modèle par la designeuse, il est proposé avec un seul écheveau, enfin Ouais, un seul écheveau, une une seule seule couleur en couleur. tout cas, Ouais. avec une seule couleur. Donc j'étais pas convaincue. J'avais idée de faire la dentelle dans une Ouais. autre couleur. Je voulais pas que ce soit hyper contrastant non plus, parce que j'aime bien les dégradés, les camailleux. J'aime pas trop l'hiver, j'aime pas trop l'été. Je me lâche un peu plus, mais j'aime pas trop que ça flash. Donc Tu l'as voilà. tricoté en combien? En 3,5. Ouais, en 3,5. Et un écheveau de 100 grammes, donc 400 mètres, hein, c'est du fingering. Et une pelote de 50 grammes, bah écoute, ça suffit pour faire un châle. Alors il n'est pas hyper profond, mais ça suffit pour faire un châle tout à fait honorable, et enfin de dimension honorable et agréable à porter. Et donc je l'ai porté hier pour la première fois, hier soir. Parce que mine de rien, quand on a un manteau rouge comme ça et qu'on possède beaucoup de bleu. Mais ça va pas Et avec. oui, Et et là ça ben va. Ah finalement, ben le rouge et ça le se bordeaux, marie, ça va très bien en fait. pas mal avec. Donc voilà. Et je vais le mettre tout de suite parce qu'il ne fait pas très chaud. Alors, on est.
Je suis désolée, hein, mais j'avais froid. Alors, un autre... Bah, c'est un podcast tricot, hein. C'est ça. Donc, Un autre projet fini. Alors, celui-là, vous l'avez vu pendant que je le tricotais. Donc, il y a un moment qu'il est fini maintenant. Je ne le porte plus en ce moment parce qu'il fait trop froid. J'ai besoin de plus d'épaisseur. Fingering, c'est un peu léger. Donc, c'est le Lady Mademoiselle Dandelion, de longue avec Anna, dans Madeleine et Philibert, coloris Londres. Vraiment, je suis complètement fan. Là, le coloris, il n'arrive pas vraiment à se... Si, là, il est bon. Oui, c'est pas... Oui, et je suis complètement fan de cette couleur. Vraiment, je l'adore. Je suis... C'est quelle couleur, tu as dit? Londres. Londres. Et oui. Et là, j'avais trouvé à la mercerie de Pauline, notre tricopine de tricoter, qui a une mercerie à La Rochelle. Vraiment, ces boutons que je trouve... Il y a des petites fleurs. Bon, c'est un point pissenlit. Enfin... Là, ils ont l'air de ne pas être vraiment coordonnés. En fait, si, je vous assure que la couleur se marie super bien. Donc voilà, je vous en avais déjà beaucoup parlé, donc je ne vous en montre pas plus. Mais quand même, fini. Et ce n'est pas le premier que tu fais? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, oui. Je vous avais montré le premier. Mais vraiment, cette laine, Madeleine et Philibert, c'est la mairie de Madeleine et Philibert, que j'ai tricotée en 3,25. Et... c'est vraiment que du bonheur. Elle se révèle au blocage, elle se drape, elle a un effet repassé. Et alors que je vous assure que je ne repasse pas mes tricots. Hein. Voilà. Non, tu les laves à 60 seulement. C'est ça. 60 non, là, cela, celle-là, il n'y a pas de nylon. Je pense que c'est pas... Eh bien, écoute, ton projet fini, moi, je vais m'arrêter. C'est là. Fini. Alors, moi, j'en ai encore un. J'en ai encore un que je ne vous avais pas montré jusqu'à présent parce que c'était un test au départ. Il n'était pas secret, hein, mais... Mais voilà. Donc, il s'agit du pull Cumulonimbus de Coraline Kiricit, qui est sur les réseaux sociaux Malorae. C'est un pull hyper boxy qu'on tricote en mélangeant un fil mérino et un fil mohair avec une grosse torsade au milieu. Donc, je vous montre. Voilà. Voilà, ça rend exactement la couleur. Ouais, très, très bien. Donc, il a une super grande aisance. Moi, j'ai fait ma taille. J'ai fait le M et il est vraiment immense. Mais j'aime bien parce que quand il fait très froid, je mets un pull col roulé très près. C'est mon téléphone, désolé. Très fort. Donc, il y a une torsade. Donc là, les emmanchures tombent vraiment très bas sur le bras. Sur l'avant-bras. Et donc, la manche est plus courte. Il y a une torsade et c'est resserré au dernier moment. Donc, ça fait un effet froncé le bas des manches. C'est douillé, c'est agréable. Moi, je n'avais jamais tricoté de boxy. J'étais pas convaincue sur moi. Je l'ai rallongé un petit peu parce que quand même, je trouvais qu'avec ma forme en poire, c'était pas très joli court. Elle est très belle. Et elle se fait très facilement. Elle n'est même pas en vis-à-vis. Hein, c'est les deux mêmes côte à côte. Et voilà. Mais alors, c'est un pur bonheur. La laine. Là, on voit bien le petit halo douillet. La laine, c'est de l'Afféfil coloris Édimbourg et de la Drop Skit Silk gris, je ne sais plus le numéro. Voilà. C'est le gris clair. Non, foncé. Non, clair, parce que je voulais éclairer cette laine. Alors, cette laine, je l'ai achetée il y a 2 ans quand j'étais toute dépitée de ne pas pouvoir aller à Édimbourg. J'y suis allée l'année dernière, je me suis rattrapée. Donc, comme elle s'appelait Édimbourg et que ça avait la couleur des galets couverts de mousse, moi, elle me fait beaucoup penser à la Bretagne, plutôt. Et donc, j'avais acheté cette laine avec l'idée de tricoter le gilet Péridot de Marie-Christine Lévesque. Et je n'ai eu que des boires parce que même en 3,25, le point était lâche. J'étais hyper déçue du rendu de la laine. Ensuite, cette couleur que j'aimais bien, je trouvais qu'une fois tricotée, elle était complètement éteinte et triste. Et ça ne me plaisait pas du tout. Ça me faisait penser à un vieux couteau qui s'était oxydé. Enfin, ce n'était pas du tout la couleur que j'aimais dans cette teinte-là. Et là, le fait de la mélanger avec du mohair, ça l'a complètement adoucie. Et là, maintenant, elle me plaît. Voilà, donc si vous voulez faire un gros pull mohair qui change un peu de tout ce qu'on voit, qu'il soit boxy, eh ben, n'hésitez pas. C'est le Cumulonimbus. Et tu as utilisé combien de laine? J'ai utilisé 3 échevaux, j'ai commencé le 4e. D'accord. Mais franchement, si je le refais, je ferai une taille en dessous, parce que là, il y a une vraie aisance, je ne sais pas si vous voyez là...
J'arrive presque de chaque côté. J'ai un mètre d'une épaule à l'autre, quoi. C'est... Alors, c'est vrai, quoi, ça se détend, c'est lourd. Alors, ça se tire. En plus, ces deux laines ensemble font que ça s'allonge encore plus. Donc, si je le retricote, je suis ravie d'avoir celui-là très grand. J'avais pas de pull oversize comme ça. Si je le retricote, je ferai une, peut-être même deux tailles en dessous, ouais, pour avoir un autre, très, très joli, un autre, hein, rendu un peu plus près du corps, qui sera quand même boxy, mais plus léger. Voilà. Donc, il est vraiment très joli. On peut se le mettre, on va se mettre une épaisseur de plus. Ah hein. Oui, c'est une bonne idée. On s'en arrête pas. Oui. Très bien. Là, je remets l'autre sur mes pieds parce que j'ai froid. Et c'était tous mes projets. Vous ne voyez pas tous les lainages qu'on a partout sur les pieds, sur les... Ce sont mes projets finis, c'est terminé, c'est le cas de le dire. J'avais un carnet, hein, où j'avais noté de façon très organisée tout ce que je voulais aborder comme sujet, mais il est quelque part. Donc on va passer au projet. Tu as mis mon petit post-it dedans. J'ai mis ton petit post-it dedans. Tu as dû le... Alors il est peut-être sous la couverture ou écoute, il réapparaîtra un moment ou un autre. Il n'est pas derrière. Non, il est coloré, on devrait le trouver. C'est pas grave. Attends, on va soulever les couvertures. Ah mais il est là. Il est coloré. Ah ben il se confond avec Jules. Il est très coloré, hein. Il est beau. Donc j'ai essayé d'être bien scolaire, de noter tout ce que je voulais aborder comme sujet. Eh ben les projets en cours. J'ai osé mettre un S à projet en cours. T'as des chaussettes sûrement. Eh bien non. Non, oh, je n'ai pas de chaussettes. Mais je te dirai après pourquoi. Je n'ai pas de chaussettes. J'ai qu'un en cours. J'en avais parlé au précédent épisode. Mais tu n'avais pas commencé. Non, je ne l'avais pas commencé, ouais, mais j'en ai parlé, je l'avais en projet. Donc, il est quand même pas mal avancé. C'est le Silver Tweed. Voilà. Le Silver Tweed de Nadia Crétin-Leschen, qui est donc un modèle quasiment tout en jersey. Quasiment, puisque les raglans pour les manches se font en point en dentelle. En dentelle, très joli. Donc là, j'ai fini la partie dentelle. Je fais le corps que je n'ai pas encore fini. Je pense que j'ai encore une dizaine. Bon, ça roulotte. Hein. J'ai encore une dizaine de centimètres à peu près avant d'attaquer les côtes, 5 cm de côte à faire. Et après, je pourrais faire les manches. Donc tout au début, je me suis dit que c'était quand même dommage de se limiter à simplement cette toute petite partie de dentelle, parce que je la trouve vraiment, vraiment jolie et puis facile à faire. Et je voulais la prolonger un petit peu, mais en fait ça va être étrange. Si je la prolonge, je fais toute la manche. Ou alors je suis le modèle, je m'arrête là et après je fais du jersey. Donc j'ai encore quelques centimètres de jersey à faire en bas du corps pour peaufiner mon projet. Et voilà, donc c'est un col, bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, mais on va en parler quand même. C'est un col en pointe qui est fait sur un montage provisoire que tu as déjà fait. Hein, tu as déjà fait sur un montage provisoire. Donc moi j'ai fait un montage au crochet. Je crois que c'était ce qui était préconisé, hein, sur le. Ouais, c'est sur la première fois et la dernière fois que j'ai fait ça d'ailleurs. J'ai pas refait depuis. Mais c'était très bien expliqué. Donc un col en pointe, il suffira après de, alors ce que je n'ai encore jamais fait, mais ça va être une première, de relever les mailles, je ne sais pas trop de quelle manière, hein, je ne me suis pas penchée sur le sujet, je verrai au fur et à mesure, et ça se termine avec un I-cord, on relève et avec un I-cord, donc un petit col tout simple, ça me va bien, il n'est pas très échancré, ça c'est très bien parce que je suis frileuse, donc un col très en pointe, ça me faisait un peu froid d'avance, et en fait il ne sera pas échancré, ça ira, ça pas trop profond, je veux dire, donc ça ira. Je le fais en laine alpaca, mix de drops, une couleur c'est gris moyen je crois. Oui, clair, je sais plus. Enfin, son petit nom, c'est 90-20. C'est joli. Voilà. C'est poétique, les noms des couleurs chez Drops. Oui, j'espère, c'est la première fois moi que je la tricote. J'espère qu'elle ne va pas me gratter. Parce que je suis hyper sensible à... Bah, tu mettras un t-shirt avant. À la laine, je mettrai quelque chose en dessous. Ouais. Je suis hyper sensible, ça me pique facilement. Alors, le mérinos, je sais que je le supporte très bien. Là, tu vois, rien qu'en le mettant au niveau du cou... Moi j'en ai un, je le porte à même la peau, mais moi je suis pas sensible du tout. Sensible. Je suis une hypersensible. Je suis quelqu'un de sensible, moi, c'est pour ça. C'est beau. Ouais. Non, mais ça me gratouille un petit peu. Je pense qu'au cou, ça risque de peut-être me gêner. On verra au lavage. J'espère qu'au lavage aussi, le point va se lisser.
parce que je trouve que on voit bien les, tu vois, les endroits où je me suis arrêtée peut-être, alors que sur ces, les autres laines, celle-ci par parce exemple, que c'est normal, l'alpaca, parce que comme il y a des petits poils, les petits poils retiennent. Donc les mailles, elles sont moins fluides. Chaque maille est différente parce qu'il y a des petits poils qui retiennent l'aiguille en fait. Et donc ça freine, c'est des microns, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça freine ou ça glisse mieux le point suivant. Donc du coup le point ne peut jamais être vraiment régulier. Mais bon. De toute façon, ça se lisse ou pas, je serais tellement fière et contente de le porter qu'il en fait, me conviendra très bien. On le regarde parce que tu le dis, mais autrement on, on a une vue d'ensemble et on ne s'occupe pas du point. Voilà, quoi dire d'autre. Bon, par contre, l'alpaca ne met pas à 60 degrés, hein, je pense. Non, je n'essaierai pas. Donc, voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, il sera fini. Je le porterai, je le montrerai en tout cas. Très beau. Très beau. Je le trouve super joli en laine dufteuse comme ça. Moi, le mien, il est en laine mérino. Et ça ne rend pas cet effet douillet. Oui, je l'ai vu porter par Claire aussi. En laine mérino, je pense que c'était mérino, donc pas dufteuse, effectivement, et ça faisait pas le même pas effet. Du tout, si bien que sur le coup, quand je l'ai commencé, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais vraiment l'image du tien et du sien en tête. Et en fait, voilà, non, ça fait un autre pull quasiment. Et ça me plaît bien. Ouais, et ce modèle m'avait été très gentiment offert par Alexandra Figi. Alors, je crois qu'elle a changé son pseudo sur Instagram. Parce qu'elle s'appelle Elfe Bleu sur Ravelry. Ouais. Et elle a mis le même sur Instagram, c'est ça, non? Et sur Instagram, elle doit s'appeler Alexandra Elfe Bleu ou je sais plus comment. Enfin, en tout cas, voilà. Je suis abonnée à son compte, mais j'ai pas fait attention. Lors des Veleineux 2017, c'est elle qui m'avait très généreusement offert ce modèle. Donc j'ai pris mon temps avant de le faire, mais je le remercie beaucoup parce que vraiment c'est un modèle qui me plaisait énormément et qui me plaît toujours énormément. Et le voilà qui prend corps. Il va être bientôt fini là. Ouais, parce qu'une fois que tu auras fini le corps, les manches ça va être... Après les manches... Et est-ce que tu veux essayer la technique de faire les deux manches en même temps sur un seul câble? Pourquoi pas, je me suis pas posé la question. J'ai envie d'essayer moi ça là, parce que je trouve ça... Ben, peut-être que ça aurait été mieux si j'avais commencé par les manches avant de faire le corps. Parce que tu sais, quand tu fais les manches, déjà, tu as toujours le corps qui te suit et qu'il faut faire tourner. Et, à essayer sans le corps, peut-être. Enfin, avant le corps. Avant. Avant de faire le corps et faire le corps après. Pourquoi pas? J'y avais pas pensé. Je suis encore en train de me demander si je continue la dentelle jusqu'en bas. Bah, tu auras moins chaud avec une dentelle de moi. Ah oui, alors je vais faire du jersey. je vais faire du jersey. Allez, je pense, peut-être que vous vous demandez ce que c'est que mon bonnet. C'est le tie de knot de Justina Lorkowska. Il y a déjà un moment, je l'ai fait l'année dernière. Et c'est pas très pratique avec les mitaines chaussettes. Voilà, donc c'est un super joli modèle de bonnet à torsade. Si vous cherchez des idées de bonnet à torsade, ben, celui-là aussi est chouette. Tied Knot. Mes projets en cours, j'en ai deux. Alors, tu parlais de ton Everest. Donc, désolée pour l'odeur. Ils sont toujours aussi mauvais. C'est mon Castle Rock Grove. Donc, j'ai fini le corps, j'ai fini les manches. Oui, ça sent très mauvais. Vous n'avez pas l'odeur, vous êtes des vrais petits vernis. Et non, je suis vraiment, il me reste toute la bordure à faire et il sera fini. Je vous montre la torsade du dos. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, je suis si, on voit bien. On voit bien. Oui, attends, ouais. Vas-y, parle-en. Je vais le montrer. Vas-y. Et voilà. Donc, cette laine, c'est toujours mes cônes de hareng fumés. Fumés. Donc, c'est le deuxième. J'arrive au bout. On a l'impression de tricoter de la ficelle. Hein, c'est rêche, c'est raide, ça sent mauvais, c'est huileux. Enfin, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas confortable à tricoter. Ouais. Par contre, je me rends compte, pour la partie qui est tricotée depuis longtemps, donc c'est cette partie-là, à force de le tripoter, je me rends compte qu'elle commence à s'adoucir. Et donc, j'ai vraiment hâte de le laver, de le bloquer. Voilà, et de voir ce que ça rend. Je suis ravie du résultat. J'adore le modèle. Je cherchais un gros gilet. Là, je serais ravie de l'enfiler. Mais voilà. Super modèle. Beaucoup de filles qui l'ont tricoté se sont plaintes de l'étroitesse des manches. Alors, je pense que voilà. Il y a un problème. Il y a deux choses. Il y a la laine qu'on utilise, si elle s'étend bien au blocage ou pas.
Et la torsade resserre énormément. Ben oui. Parce que c'est des grandes torsades et elle resserre beaucoup. Donc je pense que ça vient, peut-être que déjà au départ c'est un peu étroit, et ça vient énormément de ça, selon le blocage qui a été fait. Peut-être faut-il le tricoter un peu en déjaugé, à cause des torsades justement, il faut peut-être oser. Moi, du coup, moi j'ai agrandi, j'ai fait ma taille, j'ai fait une taille L, parce que je voulais qu'il soit vraiment un gilet veste, pas un gilet, une veste. Ouais. Et j'ai rejoint le corps un peu plus bas, enfin d'une taille, non de deux tailles par rapport à ma taille. Ça n'avait pas beaucoup de différence, une ou deux tailles. Donc j'ai agrandi l'emmanchure et ensuite j'ai fait les manches et les diminutions étaient préconisées tous les quatre rangs. Tous les quatre rangs. Et moi j'ai fait la première diminution au bout de 17 rangs seulement. Et ensuite, j'en ai fait une deuxième au bout de 4 ans et j'ai sauté la suivante. Voilà, et j'en faisais 2 sur 3. Donc, j'ai commencé en retard et j'en ai fait que 2 sur 4. Ouais. Pour arriver, en fait, voilà, à mes côtes. Et je l'ai enfilé, c'est nickel. Donc, t'as fait la deuxième. Il suffit d'essayer, en fait, pour voir. Alors, moi, j'ai pas des bras fins du tout. Hein. J'ai les manteaux du commerce, je suis désolée, je rentre pas mes biceps dedans. C'est pas que je suis musclée, mais j'ai des gros bras. Si tu es musclée. Non, pas du tout. Zéro musclé, mais j'ai des gros bras. Plus je vieillis, plus ils sont gros. Team, plus de 60 ans, on en parle. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait les petites poches qui sont super sympas, alors qui ne sont pas encore cousues à l'intérieur. Donc c'est parfait pour mettre ses mouchoirs, hein, parce que quand on met des gros pulls, c'est l'hiver, il y en a froid, on est en... C'est dans le cadre de mon cale, Cathy World Delight cale. C'est un cale qui vivote, il y avait un peu plus de 40 inscrites. Il y a eu 12 projets finis, dont une tricoteuse qui en a fait deux. Des tricoteuses qui se sont inscrites et qui n'ont jamais rien montré, ni avancé, ni d'avancée, ni de laine, ni de quoi que ce soit. Donc je ne sais pas quel était leur... elles ont dû trouver d'autres cales qui leur plaisaient davantage. Elles ont oublié qu'elles s'étaient inscrites peut-être. Ouais, elles ont oublié qu'elles s'étaient inscrites. C'est le cas d'une qui a oublié qu'elle s'était inscrite. Mmh. Mais voilà. Et bon, mais c'est pas grave. Quand même, non, hein, le cale se termine. Le cale. Ah oui, je suis désolée, on saute là, comme la première fois. Ah oui, pardon. Ah, mais toi, j'avais complètement oublié que. Oui. Le cale se termine le 21 mars, puisqu'il durait 6 mois. Alors peut-être que la durée, c'est beaucoup trop long comme durée de cale. C'est pas grave. Moi, c'était mon premier. Je ne sais pas si j'en referai d'autres. Des cales, il y en a plein. Et c'est chouette qu'il y en ait plein. Moi, je suis inscrite à plein d'autres de copines. Je fais un peu exprès de traîner dans ce. Non, j'ai pas de plaisir à le tricoter à cause de la laine, mais je fais exprès de le traîner pour accompagner un peu le cale. Mais voilà, donc si vous en avez en cours et que vous avez envie de le finir avant le 21 mars, ben il est encore temps de vous y remettre, ça vous laisse un peu plus de 2 mois. Si vous êtes inscrite, que vous ne l'avez pas commencé et que ce podcast vous relance, et ben allez-y, 2 mois c'est aussi faisable, il y en a qui l'ont fait en une semaine, ça se tricote en fait très vite, ça se tricote en 5,5, ça va vite. Et puis si vous n'avez pas envie de continuer le cale, et ben c'est pas grave. Moi je remercie toutes celles qui ont participé, je voulais vraiment remercier du fond du cœur Papolette qui a tricoté très vite le sien, qu'en a fait un deuxième et qui a aidé toutes les filles sur Instagram qui avaient des sur Ravelry qui avaient des difficultés à mesure, qui a regardé le patron, qui leur a donné des pistes, enfin qui a été vraiment un vrai coach pour les filles. Donc vraiment Papolette, je te remercie du fond du cœur. Il y aura des cadeaux à la fin, je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise plus tard. Pour les participants. Non, je tirerai au sort dans les projets finis. Il y en a 12. Oui, je suis participante. Il y en a 12, donc il y a 3 cadeaux. Donc quand même, ça fera une sur 4 qui sera récompensée. Bah oui. Donc ça, c'est pas mal. Bravo à celles qui ont participé. Vraiment, je vous remercie hein, parce que je suis inconnue dans le monde des cales et je trouve ça très sympa celles qui sont venues me tenir compagnie. Voilà, pour mon projet en cours, tu en as plus en cours? Non, j'ai simplement le... Alors, je vais montrer le dernier, le tout dernier, qui est un pull. Donc, j'avais envie... Bon, j'aurais pu éviter de vous en parler, parce que... Ça bouge énormément. Ouais, ça saute. Pourquoi tu veux pas en parler? Non, mais je veux en parler pour une autre raison.
Si je retrouve mon papier, il est là. Alors, c'est le flax de Tin Can. Waouh. C'est pas aussi, c'est un rouge vermillon, mais quand même, là, non. Il est de Tin Can Knit, ce que je fais pour une de mes petites filles. Ce pull était quasiment fini, il me restait les côtes d'une deuxième, la deuxième, un peu plus, à peine un peu plus que les côtes d'une deuxième manche. Et il s'est révélé que j'ai demandé les mesures, il me paraissait petit, j'ai demandé aux parents de remesurer le tour de taille de la puce et en fait, il était trop petit. Donc, j'ai tout détricoté et j'ai recommencé hier. Donc, voilà, je voulais vous en parler, c'est de la laine fil d'art, 51% laine, 49% acrylique, qui s'appelle la fil irlandais et qui est très douce, très agréable. J'ai fait le même à sa grande sœur et apparemment il a bien supporté le lavage en machine, donc j'aurais si dit. Donc c'est bon. Pourquoi je voulais vous parler de ce pull? D'abord parce que je l'ai vu sur le Simplement Erika, notre copine de tricot, qui a un podcast aussi, qui le portait un jour. Et je l'avais dans ma bibliothèque, mais je ne m'étais pas attardée sur le patron. Je l'avais récupéré un jour parce que c'est un patron gratuit. Et l'avantage de ce modèle, je vous montre, c'est qu'il fait de 0,6 mois à 4 XL. Donc, on peut habiller toute la famille. Et je vous assure que c'est vraiment un basique. Tin Can Knit, c'est deux sœurs jumelles, je crois. Jumelles ou deux sœurs, en tout cas, qui font plein de patrons gratuits. Alors, cette petite particularité de celui-ci, c'est qu'il a une petite bande de point mousse qui part de l'encolure et qui va sur toute la manche. Et avec le même effet, elles ont un bonnet gratuit qui s'appelle le Barley Hat, qui est exactement le même, qui a une bande de point mousse comme ouais. ça sur le côté. Et elles ont plein de modèles gratuits, enfin, elles sont d'une générosité. Voilà, et ça a été... Il est en raglan ? Oui, c'est un raglan. C'est un raglan, il n'y a pas de devant, pas de derrière, donc pas de rang raccourci. Et en fait, ça se positionne, voilà, si on veut, plus devant ou ça penche d'un côté ou de l'autre. Bah, j'ai fait le même à la belette et pas de souci pour chercher le devant et le derrière, il n'y en a pas. Donc c'est vachement bien aussi pour les enfants. Oui, mais je l'ai vu effectivement sur, ouais. sur Erika, donc en format adulte. Et ça se met très bien. C'est un bon basique et ça permet... Ouais. Après, soi-même, de l'agrémenter si on le souhaite. Absolument, parce qu'on peut s'amuser à rajouter une bande de point mousse ici. On peut le faire dans toutes les couleurs. Fait. Moi, je l'ai fait rose à sa grande sœur, en marron, en bleu marine, ça va pour un petit mec. Pour un garçon, un adulte, ben, ça va à tout le monde. C'est complètement unisexe. Et si on le fait rose, girly, avec des paillettes, ça peut être super féminin. On peut le faire avec une laine tweedée. Enfin, tout est permis avec ce patron. Mmh. C'est vraiment une mine. Voilà, et ça se tricote les doigts dans le nez, hein. C'est d'une simplicité incroyable. J'ai fini mes projets en cours. Moi aussi. Alors pourquoi pas de chaussettes en cours? Je te disais que je t'expliquerai après, pourquoi. Toutes mes chaussettes jusqu'à présent, je les ai tricotées en 2,5 et avec des petites 23 cm. Ouais. Ah, je crois que nous avons de la visite. Frédéric nous amène une pizza. Ah, ce chauffeur est vraiment, alors, mais au poil. Tu peux entrer. Vous allez entendre la porte craquer. Oh, je pense qu'on a dû bien entendre les travaux tout à l'heure. C'est pour nous. Oh, elle est chaude. Oh là là. Non, on aime. Non. On met, oh, là, oh non. On va la prendre sur nos genoux. Oh, oh là, merci. Là là là. On non, a un livreur de pizza. Ça sent bon. Oh, on va... Aïe. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est 14h10 et nous n'avons pas mangé. Moi j'aime tout. Eh ben, tout va bien. Moi j'aime tout. Qu'est-ce que tu nous as ramené? On va peut-être. Merci. Je vais manger avec mes doigts. On va manger avec les mains. Ah, mais voilà, il y a même les serviettes. Quel amour. Oh, franchement. Donc vous allez nous voir manger après nous avoir vu claquer des dents. Et non, on a commencé à avoir les mains bien froides. Ça va toi? Voilà. J'ai un chéri en or, je le prête. Ah bah dis donc, c'est formidable. Bah écoutez, après les apéros tricot, ça va être pizza podcast. Attends, on a peut-être besoin pour couper. Mais c'est il qui nous montrait par signe. Donc oui, je tricote toujours mes chaussettes en 2,5 avec mes 23 cm.
Et alors vraiment, j'ai ma recette type et c'est ce qui me convient très bien. Je regarde la pizza, désolée. Ça sent bon. et j'ai un écheveau que Mélise m'avait offert pour les vœux laineux de novembre, octobre, décembre, je vais y arriver. Les vœux laineux 2017 que je n'ai toujours pas tricoté. Bon appétit, que je n'ai toujours pas tricoté, parce que en 2,5, ça me fait un tissu beaucoup trop souple. C'est très ajouré, c'est très... Enfin, par rapport à ce que j'aime, moi, j'aime bien le tissu bien dense. Comme, pour des chaussettes. Hein, comme celui-ci. En plus, je trouve que c'est plus solide. Et puis, je crois que je l'ai assez répété. Je suis frileuse. Donc, j'ai l'impression que quand c'est bien serré, j'ai encore plus chaud. Voilà. Donc, en 2,5, ça n'allait pas. Et donc cet écheveau était de côté, qui est très joli en plus, un écheveau de Oula. Tu veux que je te prête des 2,25? Ah, mais j'ai pas des mini, moi. Que je n'ai pas amené là avec moi. Un très joli écheveau de Oula Hoops qui s'appelle Écume. Voilà, très joli. Et ben, le Père Noël vit avec moi en fait, et je pense qu'il m'a entendu de nombreuses fois dire « Ah, mais que c'est dommage ce joli écheveau que je ne peux pas tricoter parce que je n'ai pas d'aiguilles en 2,25 ». Donc il m'a apporté des aiguilles en 2,25. Ah, donc maintenant tu n'as plus d'excuses. Donc maintenant je n'ai plus d'excuses et il va falloir que tu vas finir ton silver twill. Mais je veux finir mon pull, ouais, je veux absolument finir mon pull avant de me lancer dans une paire de chaussettes. Enfin, dans autre chose, que ce soit des chaussettes, parce que j'ai tellement d'envie, il y a tellement de choses que j'ai envie de tricoter. C'est terrible parce que... Je l'ai déjà dit, je le répète, à l'origine, je crochète uniquement et je ne voulais absolument pas étendre... Mais il faut que j'arrête de regarder la pizza. Je voulais... Moi, je mange pendant qu'elle parle, c'est bien, vas-y, je voulais absolument pas attaquer le tricot parce que ça me faisait peur. Enfin, j'ai déjà expliqué pourquoi, toutes ces mailles sur les aiguilles, peur de les perdre, etc. Et puis, je savais qu'en mettant le doigt dans le tricot, ça risquait de... Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé, et je voulais tellement, tellement apprendre à faire des chaussettes qu'il a bien fallu que je me mette au tricot, parce que j'en ai d'abord fait au crochet, et je dois avouer que c'est quand même pas très confortable, pourtant j'adore le crochet, c'est pas très confortable, enfin moi, je trouve que c'est pas très confortable. C'est plus épais. La maille serrée sous le pied, je trouve pas ça, voilà, bride, c'est encore pire, je trouve pas ça confortable du tout. Donc, je me suis mise au tricot pour les chaussettes, et c'est pour ça que je me suis acharnée à faire Mais tu pourrais faire au crochet des chaussons que tu mettrais par-dessus tes chaussettes. Ça, par contre, oui. Mais j'ai plein d'autres choses que je veux faire avant. Donc, alors, qu'est-ce que tu as envie de tricoter? J'ai envie de tricoter mes plein de choses. Je sais pas pourquoi je prends mon carnet, je l'ai écrit, mais non, comme tu parles, j'en profite. Hein. Vas-y. Moi, j'ai une deuxième. Vas-y, profites-en. J'ai envie. J'espère que la liste est longue, que je vais avoir le temps de manger. Alors déjà, je suis obligée de tricoter une nouvelle couverture pour participer au cal de l'année de la blanquette 2019, saison 2 de Mélise. Je suis bien obligée de tricoter une nouvelle couverture, d'autant qu'on vient de m'offrir un petit neveu tout neuf qui a 3 semaines là, donc je suis bien obligée de faire une autre couverture au crochet. Par contre, les couvertures, c'est pas très grand. Oui, c'est pas une couverture de bébé, c'est une couverture, ce que j'avais fait déjà pour sa sœur, que j'avais offert à sa naissance aussi, mais c'est une couverture pour mettre son lit sur son lit de 90 après. Voilà, donc là, je suis obligée. Alors, après les travaux qui sont passés juste devant avec le rouleau compresseur, maintenant c'est l'hélicoptère jusqu'au-dessus, je pense que ça doit être un bonheur au niveau sonore, ça va être dense là aussi. Donc les couvertures, par contre là, je ne fais pas d'infidélité à mon crochet, c'est vraiment au crochet que j'aime faire les couvertures. Donc j'ai quasiment déterminé le modèle, dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'en fait, je ne me rappelle plus. Donc je ne sais plus. C'est comment? Pour la prochaine fois. C'est au crochet. Et c'est... la couleur, j'ai découvert les couleurs de la chambre là qui vient d'être faite pour ce petit bonhomme. Mais je vous la dirai pas parce qu'on sait jamais. Des fois que des oreilles indiscrètes, je ne pense pas sur le podcast, je ne pense pas que les parents viennent écouter le podcast. Mais bon, elle n'est pas achetée pour le moment. Mais je la ferai probablement en fingering, en mérinos, peut-être pas en fingering, je verrai. Je sais pas. Enfin, quelque chose sans pas d'alpaga, pas avec des... Enfin voilà, bon, ce qu'il faut pour un bébé, quoi. Donc en projet, j'ai la couverture parce que je suis doublement obligée de faire une couverture
pour ce bébé et pour le cas. Oh, c'est une obligation, c'est du bonheur. Mais oui, non, mais c'est une obligation, mais c'est du bonheur, effectivement. Il y a le pull lichen de Nadia Crétin-Léchaine aussi. Moi, quand je vois toutes les filles qui arrivent pas, ah bon, il y a un souci avec les explications de la dentelle dans le raglan. J'ai vu... Sur le lichen, oui. Mais c'est une torsade qui part du raglan. C'est ça. Et qui... Il y a plein de filles qui sont complètement... qui l'ont abandonné parce qu'elles ne comprenaient pas. Donc peut-être qu'il y a eu un erratum depuis dans le patron. Ah, ou, bon. Mais j'ai vu passer sur Instagram. D'accord, ouais. Des filles qui appelaient à l'aide, qui disaient, mais je comprends pas, j'ai défait, redéfait, j'ai recommencé. Et qui à la fin disaient, bon, j'abandonne totalement parce que j'en ai marre. D'accord. Il y en a qui l'ont fait, hein. Donc... à voir, il faut vérifier parce que Qu'en sollicitant l'aide de Nadia, non, je sais pas, je me suis pas penchée là-dessus. Moi, je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry, mais du coup, ça m'a un peu arrêtée. Je trouve tellement jolie avec ça. J'aime bien ces pulls simples en fait, ces pulls, les pulls qu'elle propose, comme le Silver Tweed qui a assez de fantaisie sur l'épaule, mais ce qu'on pourrait faire, c'est simple. Comme moi je l'ai aussi. Ouais. J'avais l'intention de le faire, on devrait le faire ensemble, comme ça, s'il y en a une qui. Oui, tu as raison. On va le faire on ensemble. On pourrait s'aider. Donc, j'ai ce modèle. Vas-y, mange. J'ai ce modèle. Non, j'en ai mangé deux déjà. Que j'aimerais faire. J'ai également. C'est celui que tu as sur toi. Oui, le pull Méline que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est hyper connu, hein, le Méline de. C'est Isabelle Kremer. Ouais. Je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est de la grosse laine. C'est en 4,5. Oui, 4,5. Et alors, il y a un détail, c'est qu'il s'est fait exprès. C'est prévu que les manches se retournent. Et ben moi, je m'en sers de mitaine. Quand je mets un manteau, d'abord, ça fait une surépaisseur sur un manteau, donc je la sors et ça me fait mitaine. Et ça, c'est génial. Et je crois que toutes celles qui l'ont font ça. Je ne suis pas la seule. Et c'est vraiment agréable. Alors, Julie, je ne sais pas si tu nous regardes, donc je vais peut-être te faire rire, mais tu sais, moi, j'ai des bras de bonobo, donc il me faut des manches. Il faut des manches à rallonge pour que ça m'arrive bien au poignet. Mais il y avait le modèle que nous a montré hier soir Magali aussi. Le jacquard. Ah oui, mais c'est du jacquard. Le tzipila. Ouais. Et qui a une manche très très longue et qui se resserre là. Et qui, elle les a raccourcis. Et déjà, ça va très très loin. Et ça doit être super, ça, pour avoir chaud aux mains aussi. Et je te laisse manger. Je vais causer. Ouais. Je vais causer maintenant que j'ai mangé deux morceaux. Alors, mes projets futurs. Je vais essayer de manger proprement. Ça, c'est Moi, j'ai un Méline aussi parce que j'en avais fait un à ma fille et à ma belle-fille. Et celui de ma fille, elle m'a malencontreusement. A eu un petit accident de lavage. Elle était toute désolée. Coucou Amélie, c'est pas de ta faute. Tu sais, ça m'arrive aussi. Ouais. Et donc, j'ai racheté la même laine et je vais lui retricoter le même. Donc, ça va venir. Je ne vous ai rien amené parce qu'on était déjà assez chargés. Et ensuite, j'ai l'intention de faire un pull en jacquard. Je n'ai pas encore décidé lequel. Donc, il y en a plein qui me tentent. Il y a le tzipila. Dans les patrons que j'ai, il y a le tzipila. Il y a le Lady Maric. Je l'ai fait le Maric en petite pour ma petite fille. Il y a plein de modèles que j'ai aussi. C'est que le Maric, il va peut-être ressembler à ton... Brunches and Bud, ouais, mais si je le fais... C'est pas tout à fait le même motif, ça ressemble beaucoup. Non, mais dans d'autres couleurs, alors c'est ce que je me dis. Le tzipila est très différent. Voilà, est très différent. Le humulus aussi est très différent. Voilà, j'ai aussi le humulus. Ouais. Voilà, donc ça, ce serait pour des bicolores. Et puis après, il y a carrément du jacquard très. Beaucoup plus coloré qui me tente aussi. Donc, bon, j'ai pas encore décidé. Ce que je veux, c'est utiliser les laines de mon stage. Donc, dans un premier temps, je vais faire du bicolore parce que j'ai de quoi faire un pull en jacquard en bicolore. Ça serait avec ma laine Madeleine et Philibert colorie au stand, qui est un roux caramel marron, enfin absolument chaud. Et je ferai le jacquard dans une couleur, je pense que je vais en commander à Catherine. Elle a une couleur qui est beige avec des petits speckles un peu plus foncés, un peu plus bruns, qui est la couleur Luxembourg. Et je pense que ça ferait sympa de faire le yoke en jacquard comme ça. Mais il faut que j'achète un échevaux. Alors, je m'interdis encore de le faire tant que je n'ai pas tricoté un peu plus de mon stage. Les cales. On va parler des cales. Hein. Alors, moi, j'ai participé. Il y a une fille extraordinaire qui est Leïla, qui est de Bruxelles, qui est sous le pseudo Cookie la Guerrière, qui organise plein de cales.
des cales super sympas qui font tous envie, on a tous envie de participer parce que c'est forcément dans les projets des tricoteuses. Cet hiver, elle a lancé le cale vive le vent d'hiver qui avait pour objet de tricoter des accessoires. Bonnets, mitaines, gants, chaussettes, écharpes, châles, des accessoires d'hiver. Vous pensez bien que je me suis lancée dedans, j'ai une très très grande famille et j'avais plein de projets tricot que je voulais offrir et je voulais déstocker mes pelotes orphelines. Et donc un bonnet, voilà, une paire de mitaines, ça marche très très bien. Et donc je me suis lancée dans ce cale-là et j'ai fait 14 projets. Et donc j'ai été récompensée, ça m'a vraiment surpris parce que je pensais que c'était un tirage au sort et puis mais bon, c'était au nombre de points avec les projets. Et donc j'ai reçu un très très joli lot cadeau avec de la laine à chaussettes, de la laine pour faire un bonnet, un petit carnet, un bloc-notes. Je ne l'ai pas emmené, je les montrerai quand... Tu me l'as mis en photo sur Ravelry ? Sur Instagram. Mmh. J'ai montré sur Instagram et puis après je préfère vous montrer les projets que je ferai avec. Et, donc voilà, et donc maintenant que ce cale est terminé, elle en a lancé deux autres. Il y a un cale Hello Jacquard, et je crois que là on ne peut plus s'inscrire sur Hello Jacquard. Donc moi je me suis inscrite puisque j'avais l'intention et la laine pour tricoter le mari qui a ma petite fille. Donc je l'ai fait. Et là elle lance aussi un cale chaussettes qui va durer toute l'année. Et l'idée c'est de tricoter 4 paires de chaussettes. Et si on en fait une cinquième, on participera au tirage au sort. C'est que 4, je crois que c'était beaucoup plus que ça. Non, c'est 4. Et à partir de la cinquième, on peut participer au tirage au sort. Non, tu penses à moi, avec 4 tricopines, on s'est lancé un défi à l'intérieur du cale en disant on va en faire 12. Et donc, on s'est fait le hashtag 12 months, 12 socks. Et il y en a une qui m'a dit, mais 12 socks, ça fait que 6 paires. Mais ce sera 12 pairs of socks. En fait, c'est... on n'a pas pensé. J'avais pas du tout... Je suis nulle en maths. Et donc, ce cale chaussette, il est génial parce que on peut le mélanger avec d'autres. On peut utiliser... Il y a plein de vidéos au début qui sont données, des patrons, des modèles. Et c'est une mine d'informations. Tout le monde met des choses, des patrons gratuits. Ça permet aussi, pour celles qui l'ont acheté ou qui ont l'intention de l'acheter, ça serait une super bonne idée, de mettre en œuvre des patrons du Socks Design Party Volume 2 qui est vendu au profit de Les Chevaux Solidaires, où il y a aussi qui est une mine aussi d'informations, d'explications, de plein de choses sur les chaussettes qui ne coûtent que 3€ et c'est pour une bonne action. Et voilà, donc le groupe de Cookie la Guerrière sur Ravelry pour s'inscrire à ce cal, c'est Cookie & Co. C'est encore ouvert ? Oui, c'est encore ouvert. Bon, je crois qu'on peut s'inscrire toute l'année. D'accord. Et ben voilà. J'ai tout dit. T'as tout dit ? On va pouvoir manger. Vas-y, mange. T'as peut-être des choses à dire, toi. Moi, j'avais juste un truc non, encore. Je parlais des volets neufs. Je re-regarde parce que ça y est, j'ai oublié. Une tranche de pizza et puis j'oublie. Je voulais... Ah oui, c'était dans mes projets... Oups, c'est pas très grave. C'était dans mes projets... Dans mes projets à venir, je voulais vous montrer quelque chose. J'avais quelques restes, ces deux choses qui me restaient de mon Wonder Woman Wrap. Et puis, il m'a été généreusement offert par... J'ai du mal à attraper mes petites choses, voilà. Hop, par Nathalie, qui s'appelle sur Instagram Thali, avec deux I, T-H-A-L-I-I-E, je crois. Elle m'a envoyé des mini qu'elle a teints. Donc, c'est des dégradés de bleu-vert. Ouais, je ne sais pas si on voit bien. Encore ces petits fils qui retenaient pour la teinture. Et du coup, avec mes restes, je me dis qu'en mettant ça de ce côté, hein, je ne vais pas avoir assez de mains. Et ça de l'autre. Moi j'ai les mains dans la pizza. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Comme ça, peut-être. Enfin, il y avait moyen de faire. Alors ce ne sera pas égal, hein, parce que là j'ai, je ne sais pas, une 10 et 15 grammes, enfin 15 et 20 grammes, je ne sais plus combien il me reste sur ces deux-là. Alors que là, ce sont des là, petits... Là c'est bon la couleur. Mets-les tous ensemble. La couleur est assez. Assez bonne. Donc celui-ci là et celui-ci. Ici. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, c'est bien. Hein, voilà.
Mais voilà, que faire avec ça, en sachant que là, avec ces mini-là, ça peut être que des rayures On t'a proposé le ou... Solaris, moi je le vois très bien. Et les filles m'ont proposé de... Le Solaris, c'est vrai que ce serait une bonne solution pour utiliser ça. Et il me fallait donc une couleur Principal. principale. Fais attention avec la pizza. Ah non, hein? Ben oui, hein. Ah bah elle rend bien. Ah ouais, gris bleuté. Voilà, elle s'appelle Une plage en Une plage, Bretagne. voilà. Voilà. Une plage en Bretagne. Donc c'est mon chip shop. C'est la qualité petit pied. C'est bien, il y a du nylon Mon dedans. fingering et... Il y a un peu de nylon, un petit pied. Et elle est superbe. Ouais, Moi, ouais. je m'en suis fait des chaussettes et Je voulais voir c'est la composition. super. Bon, je dirai une Ouais. prochaine fois parce que là, il est bien fermé. Je Je voilà, crois qu'il y donc a c'est. 20% de nylon. Je mets l'endroit à l'envers comme ça, voilà. Elle est magnifique. Regarde, montre ça là. Et là, il y a des. Voilà, des petits spicules. Ça fait vraiment penser à une plage. Hein. Il y a Il est superbe. les algues, le rouille qu'il y a sur les rochers quelquefois et Exactement. du lichen. Et Et là, il y a c'est vraiment des très joli. spicules bleus. Bleu gris, bleu foncé. Il y en a des bleus plus Il y en a foncés, des du bleus plus noir. foncés, il y Il y a, a ça va carrément presque presque jusqu'au noir. noir. Ouais. Alors attends, je voudrais l'ouvrir un peu par endroit où... Non, je le montrerai mieux quand il sera en cours de... C'est magnifique. Enfin, vraiment, il est très beau. C'est Et c'est magnifique. vrai que pour un Solaris ou quelque chose de similaire, mais oui, pourquoi pas un Solaris. Donc j'en ai deux. Ça en coloris principal, et puis Tous tes y petits mini ajouter là. Ça va être les superbe. petits inserts de rayures avec les mini. Ça va être magnifique. Ça me plaît bien comme idée. Donc ça, ce sera encore un projet à venir. Alors, je rappelle que je tricote à la vitesse d'une tortue. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de Au suite. prochain podcast, tu auras fini ton silver tweed Ah, oui. et tu montreras ça qui sera avancé. On verra. Oui. Et Je sais pas dans quel ordre. puis tu as tes chaussettes en Dans deux, quel... en sac, Je sais sont pas dans quel ordre je tricotées. vais les faire. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a toute la matière là pour. Pour commencer, en tout cas programmer déjà un joli châle. Donc ça c'est des choses à venir et en plus, enfin une envie et en plus j'ai la matière pour. Donc Va être trop chouette. J'en ai mangé trois, moi. Donc t'en as encore plein à manger. oui. Mais j'espère vraiment que le bruit ne vous gêne pas. Il y a des travaux. De toute façon, on a vraiment du bol à chaque fois. Il y a des travaux. Nous sommes donc sur le port des Minimes. On l'a dit au début, qui est le port Le port de de plaisance, plaisance. hein, de La Rochelle. Et bah, les travaux en plein hiver, c'est quand même le meilleur moment à La Rochelle pour les faire. Et là, il y a des travaux juste derrière, au niveau de la voirie, je crois. Et Ça oui, fait puis beaucoup de bruit. Donc on est j'espère que ça arrivé, vous gêne c'était pas. la pause repas et du coup ça a repris là maintenant. Maintenant nous on fait la pause repas On fait là, en même maintenant. temps, on travaille en même temps, nous on fait tout Mais en même je vous temps. assure qu'on est dehors, il fait 6 je Il y avait crois. 6 degrés Et tout à là l'heure. on doit être à peu près à la même température à l'intérieur parce qu'on a ouvert les fenêtres de Jules qui sont dans le toit, Dans qui est le en toit, oui. toile. Donc c'est comme dans une tente. On a ouvert avec le zip. Donc là on a juste un petit grillage et c'est Allez. ouvert sur l'extérieur. Donc on est en plein courant d'air. Et je peux vous assurer que. On a très très froid, donc on Ouais. va peut-être pas s'attarder Il n'y a très pas de vent. longtemps. On a de la chance, il n'y a pas Je veux y a juste pas de vent. revenir sur les Velaineux 2018. Vas-y. J'avais participé déjà l'année d'avant, et là je les ai remis cette année. Et alors je pense que le fait qu'on soit mis à tourner des podcasts avec Vinciane à jouer et qu'on me connaît davantage, et j'ai été mais gâtée, mais j'ai presque honte de tout ce que j'ai reçu. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'ai tout montré sur Instagram. J'ai pas pu apporter parce que c'est énorme. La laine pour le tricot de Jules 10 remplie kilomètres. les 10 km Alors j'avais demandé, c'était ce que j'avais demandé de la laine pour tricoter une couverture pour Jules, mais ça remplit un grand cabas de supermarché. Dans 5 minutes, je vais signer à mon Le chéri. Mon pauvre. chéri, là, il est tout rouge, il est dehors, là, il a dû faire Alors, 10 km il est lui rouge parce aussi. qu'il fait froid, Donc ça remplit et ça déborde un énorme cabas de supermarché. J'ai demandé la laine pour faire des couvertures de voiture pour mes belettes et j'en ai reçu plein aussi en fingering que dans les tons rose, pêche, blanc, avec un très joli sac à projet. J'ai reçu, et j'aurais dû la prendre, mais je suis bête, une magnifique petite, jolie petite chaufferette reine pour les mains. Ah, Et forcément, j'y ai pensé ce c'était matin idéal là, et je oui. l'ai laissée sur le bureau.
J'ai eu plein de thé, plein de chocolat, plein des carnets, des marqueurs. J'ai même pas tout en tête tellement j'ai été gâtée. Donc vraiment, je peux pas nommer tout le monde parce que je crois que j'ai reçu 16 colis. C'est complètement de la folie. J'avais demandé de la laine, oui, aussi de la laine auto-rayante pour tester l'auto-rayant en chaussettes. Et j'en ai reçu plein. J'en ai déjà tricoté une qui est pour mon chéri. Enfin voilà, ça a été une suite de cadeaux. Alors moi aussi, j'ai gâté. J'ai envoyé 17 colis également. Et l'année prochaine, je gâterai, mais je ne m'inscrirai pas parce que là, il faut laisser la place aux autres. Je me culpabilisais parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont moins suivis. Moi, alors attention, hein, je suis pas une célébrité non plus. Hein, mais bon, l'effet podcast a doublé le nombre de followers. Je passais de 400 à 800. Et donc, a fait que plus de gens ont vu mes velaines. Ouais. Et il y a des gens qui ne sont pas beaucoup suivis, qui n'ont pas été beaucoup gâtés. Moi, j'ai essayé de chercher sur Instagram les velaineux, de trouver des gens qui n'avaient pas beaucoup de suiveurs et pour essayer de les gâter. Et l'année prochaine, je ferai ça. Mais moi, je ne mettrai pas les miens parce que j'ai été gâtée pour 10 ans. Là. Donc, encore merci, merci du fond du cœur. Mais je trouve que c'est une très, très belle initiative, hein, par contre. Et il faut continuer ce genre de choses. Excusez-moi, je pose mon morceau de pizza. Non, je pense qu'on va peut-être se dire au revoir. On va vous dire au revoir. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était un petit peu particulier quand même aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'un jour, on va s'autoriser à ne pas tourner dans un camion et tourner depuis un de nos salons. Parce que... Puis en plus, ça doit énormément bouger encore. Désolée. Parce qu'en hiver, il faut vraiment... Mais bon, c'est le... Après le prochain, dans 2 mois, fin mars, il fera peut-être... C'était l'idée de départ, c'est ce qui nous a réunis et c'était ce qui vous a plu, je crois, aussi. Enfin, en tout cas, tout le monde nous a dit, tous les retours qu'on a eus, c'est rigolo. Moi, j'adore être dans Jules, même quand il fait très froid. Et donc, c'est une raison de plus de le sortir, même en hiver. Donc, voilà. Allez, on va vous laisser parce que là, on va finir notre pizza. On va aller prendre. Je pense qu'on va allumer le gaz et se faire un bon café bien chaud. Enfin, non, tu bois pas de café. Mais c'est pas grave. Ça me réchauffera. Non, mais tout va très bien. Ça me réchauffera en même temps. C'est très, très bien. Alors, on va rentrer. Je mettrai mes mains autour de ta tasse. C'est ça. Et puis, on vous dit donc au revoir. Donc, encore une fois, très bonne année 2019. Merci beaucoup d'être là. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui est derrière. Merci de nous suivre. Merci pour toutes celles qui nous mettent un. Comme ça, pour tous ceux qui s'abonnent, ça veut dire que ça vous plaît. Quand vous nous mettez des mots, mais on adore, donc n'hésitez pas à nous mettre des mots, nous dire qu'on est génial, que c'était top, que vous êtes régalés. Bah oui, tant qu'à faire. Vous pouvez dire aussi c'était nul les filles, tant mieux si vous vous êtes gelées. C'est bien fait pour vous. Trop de bruit, ça bouge. Vous avez tous les droits. Allez, on vous embrasse bien fort. Et puis, on ne sait pas quand. Avec d'autres. Avec Popo la prochaine fois. La prochaine fois avec Popo. À bientôt, au revoir. Thank you.